Yo tout le monde, c'est DonaxSweet pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va super bien parce qu'aujourd'hui pour moi c'est ma première semaine de vacances. Donc pour moi ça roule tranquille, ça roule tranquille. Vous avez peut-être repris les cours, il y en a quelques-uns qui me regardent qui ont repris les cours, et ben moi je suis en vacances. Donc c'est ma première semaine, ça me fait plaisir. Et aujourd'hui je veux vous présenter un petit squad builder, une petite Serie A. Pour moi la meilleure Serie A possible, enfin pas possible mais la meilleure Serie A qui peut le plus parfait franchement. Là aujourd'hui je vais vous présenter deux petits matchs en division 2. Voilà, c'est comme si c'était un petit épisode en route pour le sacre que je vais continuer bien sûr prochainement dans les épisodes. Donc aujourd'hui petit squad builder, note de 81, petit collectif de 100. Je vais vous présenter tout de suite mon goal. Il s'appelle Samir Handanović les gars, c'est le Serbe de l'Inter de Milan. Voilà, j'ai pas voulu mettre Gigi Buffon. Lui ça fait assez longtemps que je l'ai acheté hein, mais voilà, 4100 crédits encore. Donc cette petite squad builder à vaut dans les environs de 60 000 crédits. Mais c'est parce que j'ai un petit boost à vous présenter dans cette équipe. Donc Handanović au goal, j'ai pas voulu mettre Buffon. Pour moi Handanović c'est vraiment un goal cheaté. Donc je le mets en goal pour moi. Il a sa place, franchement il a sa place. En défense droit on retrouve du Ignacio Abate. Défenseur droit italien de l'AC Milan. Très très bon défenseur aussi, acheté pour 1400 crédits. Après en défense on retrouve du Jesus associé à du Zapata. Ça c'est du très très lourd les gars. Franchement moi niveau cheaté je pense qu'il n'y a pas mieux. J'ai pas mis Chiellini dans cette équipe, voilà, parce que bon ça vaut 50 000 crédits, je les avais. Non ça vaut pas 50 000 crédits, excusez-moi, ça vaut 30 000 crédits, excusez-moi. Mais franchement ça c'est les deux défenseurs les plus cheatés. A droite on retrouve du Alexandro, Alexandro qui a entièrement sa place, voilà, par rapport à Patrice Evra. J'avais Patrice Evra mais je l'ai vendu parce que Alexandro c'est vraiment un défenseur gauche qui est très bon en physique, qui est très bon en vitesse, acheté pour 7000 crédits. Donc tranquillou, tranquillou. On retrouve au milieu de terrain du Insigne associé à du Hamsik, associé à du Calerod en milieu offensif. Donc ça c'est un très beau milieu qui défend assez bien. Pour Hamsik, j'avais Felipe Melo avant, mais Insigne, désolé, j'ai pas Insigne Boost, les gars, Insigne Boost, j'avais vu Punchy peut-être il y a deux semaines à peu près, qui avait fait une vidéo dessus, à 84, je crois, il est en version informe, donc c'est pas mal du tout. On retrouve à droite Dukandreva, et à acheter pour 1900 crédits, donc ça vaut vraiment cher. Ah, attention, l'attaquant que l'on retrouve, c'est le petit plaisir que j'ai fait dans cette vidéo, Mandzukic Boost, voilà, 84. De notes achetées pour 40 000 crédits. Les gars, aujourd'hui ça va être le principal joueur que l'on va tester dans cette équipe. Du Mandzukic Boost, voilà, c'est le petit boost que j'ai acheté. Ça me fait plaisir parce que j'avais mon Mandzukic à 83, mais il était moins bon. 84 boost, je pense qu'il peut être très bon à 1m87. Il a de la vitesse en physique, il est très bon en tir, il est très bon. 85 de tir, c'est quand même une grosse note. Je voulais vous faire une petite vidéo aussi sur Anthony Martial Boost, mais je me suis dit que j'avais déjà fait une tuerie sur Anthony. C'est la vidéo où j'ai 1500 vues à peu près. Donc je me suis dit Mandzukic Boost ça peut être un petit joueur que je vais vous présenter. Il peut être sympa, donc on va essayer de faire du sale avec Mandzukic. Et à gauche on retrouve pour finir de cette équipe de Serie A Felipe Anderson Pereira Gomez, le brésilien de la Lazio de Rome, acheté pour 3400 crédits. Ça vaut vraiment pas cher. Franchement c'est des joueurs qui sont très très bons, qui apportent beaucoup de vitesse à cette équipe. Donc voilà, on peut la retrouver maintenant tout de suite à l'image, cette petite équipe. Donc si vous aimez ce petit squad builder et que vous voulez que je fasse encore d'autres, mettez un maximum de likes les gars pour cette vidéo, ça me fera super plaisir. Et on va tout de suite commencer donc en division 2. Voilà, division 2, j'ai 6 points, tranquillou. Oui bah c'est sûr j'ai pas réussi à monter en division 1 parce que je me souviens mon premier épisode en route pour le sac c'était maintenant il y a 2 semaines. Donc j'avais failli monter, je me souviens, j'avais failli monter. Malheureusement bah je suis pas monté quoi, j'avais fait 2-2 au dernier match je crois. J'étais vraiment dégoûté. Donc là aujourd'hui je commence avec vous mon quatrième match dans cette division 2. Donc je vous présente 2 matchs dans cette vidéo. On espère faire du sale et on se retrouve tout de suite après l'adversaire que l'on aura trouvé. Il y a l'équipe que l'on retrouve, collectif de 82, collectif de 100. On a une petite BPL que nous propose, je crois c'est un Montpellier, hein. Perso il a mis les deux maillots de Montpellier. Mec, deux maillots de Montpellier, franchement, bon, les gars, vous avez vu, j'ai mis l'équipe de France. Maillot 2010, une très belle année, hein. Franchement une très belle année pour nous. Bon allez les gars, je vous laisse les meilleures actions de ce match, on va essayer de faire du sale, présenter une belle équipe et avec Mandzukic Boost, marquer beaucoup de buts les gars. Signé. Oh, Kandreva. Oh, Mandzukic. Oh, putain de merde. Oh non, Mandzu. Oh non, Mandzu, tu gâches la fête. Oh là là, oui.
Amsic, on enroule. On enroule. Oh, ce qui loue. Corner. Premier corner, les gars, de ce match. On tire loin. Ouf. Première frappe de Felipe Anderson dans ce match, les gars. 8ème minute de jeu. Première frappe de notre côté. On est chaud. Pour l'instant, on a le ballon. Tranquillou. Abattez de loin. Abattez de loin. La barre transversale. J'y ai cru. Je crois que je me suis enflammé. Bon, je me suis un peu enflammé. Mais j'ai tellement cru que... Voilà. Oh là là, occasion pour lui. Occasion pour lui. Starling. Putain, se fait dominer. Il casse les bonbons, celui-là. Et merde. Putain, je suis mauvais. Mauvais sur ça. Je vais pas foutre offensif les gars. Tout de suite offensif, vous voyez à l'image. Et là faut marquer les buts parce que clairement ça c'est pas acceptable. Gros chat. Gros chat à sa maman. Il a de la grosse chatte, il casse les couilles. Ah ça me rend fou les joueurs comme ça. Candreva corner, c'est plutôt bien tiré, Mandzukic. Sympa juste à côté du but. On est à la 60ème minute du jeu. Franchement là, non, je suis dégoûté parce qu'elle perd pas trop l'équipe. Bon, elle perd tout le temps avec moi là. Et là non, c'est dommage. Carte de jeu. Ah, il faut faire le bon choix maintenant. Et là voilà la frappe. Oh le but. Il est dans une mauvaise passe. Le gardien, là, ça continue. Ah, vous avez raison, ça fait plusieurs petites erreurs tout de même là qui s'accumulent. L'addition. On la donne à Manzou. Manzou, on enroule. Voilà, on sauve l'honneur. On sauve l'honneur, les gars. Putain, 87ème minute de jeu. Bon, voilà, il y a eu le boost. Il y a eu le boost qui a marqué quand même. Mais on s'est fait dominer quand même dans ce match. C'est dommage. C'est très, très dommage. Fin du match, les gars. Fin du match. Défaite 3 buts à 1. Franchement, je vous ai pas montré ce qu'il fallait faire, mais là je vais le montrer. Deuxième match, les gars, et là vous allez voir que je vais lui mettre une tôle, les gars. C'est parti. Il y a deuxième équipe que l'on rencontre, une note de 82, un collectif de 100, Loïc Rémy, une petite française, Amouma, Nasri, Griezmann, Diarra, Gonalon, Mangala, Perrin, Tremolina, Sagna et Ruffier au but. Entraîneur Arsène Wenger, les gars, je vous ai dit, il faut que je gagne ce match parce qu'il faut que je vous montre que cette équipe elle est cheatée. Ça n'a pas été normal de prendre 3 en premier match, et là. Il va pas comprendre sa douleur parce que je sens. Je vais lui mettre la tôle. Je vais lui mettre la tôle. Allez, c'est parti pour les plus grosses actions de ce deuxième match et de ce dernier match de cet épisode. Qui j'espère vous plaît quand même. Oui, Insigne. Première frappe du match, les gars. C'est bon. Celui-là, je le sens. Je vais le battre. Je vais le battre crème. Je suis chaud de loin. Je suis chaud de loin, les gars. J'espère que vous aimez ça, les frappes de loin. Mets un commentaire si t'aimes bien les frappes de loin, si t'aimes bien les frappes de près, si t'aimes bien les pénalties. Bon, voilà, tu m'as compris. Boum, boum, boum. Ça, c'est beau. 1-0, les gars, à la 35ème minute de jeu. Je vous ai dit que j'étais chaud dans ce match. Il est beau, hein. Frappe de loin, donc là c'est entrée de la surface où c'est Zemina et frappe en entrée de la surface. Voilà, c'est sur la ligne quoi. Très beau but, très beau but. Et je peux vous dire que c'est pas le dernier dans ce match. Mandzukic, Candreva. Candreva, Mandzukic, ça passe. Oui. Bruh. Il a fait exprès ou pas? Bien joué, mec. Très beau but de Ruffier au ras du filet. Magnifique. Non, me dis pas, il va. Ah, il a pas fait exprès, je crois. Hein. Il a pas fait exprès, je crois. Imaginez mettre un but contre son camp en division 2. Je pense que ça doit pas faire du bien au moral, quoi. Ah! C'était bon! C'était bon! J'ai peut-être poussé le ballon un peu trop, quoi.
J'aurais peut-être pas dû la donner aussi. Et voilà les gars, c'est la fin de ce match. Victoire 2-0. 2-0 pour moi. J'espère que vous aurez aimé quand même ce petit épisode. Pour un beau petit squad builder, une belle petite Syria. Bon, j'ai dit qu'elle était cheatée. Franchement, achetez, bon, par exemple, Mandzukic Boost, achetez-le. Franchement, bon, là, il a marqué qu'un but. Mais franchement, c'est un attaquant qui propose énormément de balles. C'est vraiment un monstre devant. Par rapport à sa 4,83, il est vraiment, là, il est vraiment très amélioré. Je pense que les boosts sont largement plus améliorés. Donc franchement, achetez-le, les gars, ça vaut vraiment le coup. Donc je vous la remonte, la petite équipe. Et puis en plus, on a les 9 points en div 2, donc c'est pas mal. Sur 15 possibles. Voilà, donc la petite équipe, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc tu lâches ton like si t'as aimé cet épisode. Tu mets un petit commentaire pour me dire des petits commentaires positifs. C'est mieux que des petits commentaires négatifs. Et puis si t'es en vacances, mets-moi dans les commentaires si t'es en vacances. Et puis voilà quoi. Donc moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Samedi, petite vidéo NBA 2K16, carrière joueur. J'ai envie de, voilà, je vais refaire un petit carrière joueur, ça va me faire plaisir. Et peut-être une nouvelle programmation de vidéo. Dès la rentrée, donc vers le 5 mars en gros, quand je rentrerai au lycée, je vais essayer de mettre les vidéos tous les deux jours, donc mardi, jeudi, samedi, 21h, voilà, pour avoir plus de régularité, parce que mardi, samedi, c'est déjà bien, mais là, j'ai envie de faire mardi, jeudi, samedi, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous dis à samedi, et...